Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Lamarco Immo et Crypto. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on continue à travailler, à discuter sur la finance décentralisée, la DeFi, et on va parler des récompenses de la DeFi, ce qu'on appelle les incentives. Les incentives sont extrêmement importantes car elles permettent d'encourager ou de décourager le comportement utilisateur dans la finance décentralisée. Alors vous avez le staking. Le staking consiste à placer des crypto-monnaies dans un pool de staking pour une durée déterminée. Un pool de staking est un groupe de participants qui regroupent leurs tokens pour staker ensemble, augmentant ainsi leurs chances de valider des transactions sur le réseau et de recevoir des récompenses. En d'autres termes, les participants du pool de staking combinent leurs ressources pour atteindre un objectif commun de staking plus efficace et rentable. Les récompenses sont ensuite réparties entre les participants en fonction de leur contribution au pool. Les pools de staking sont souvent gérés par des plateformes DeFi qui fournissent des outils et des services pour faciliter le staking et la gestion des récompenses. Alors que sont les récompenses? Certaines crypto-monnaies attribuent les récompenses dans la crypto-monnaie ou le token d'origine du réseau. D'autres ont créé leur propre crypto-monnaie et token comme récompense de staking. Les récompenses fluctuent en fonction du nombre de participants qui stakent et du volume des transactions. Certains pools contraignent aux détenteurs de crypto de bloquer leurs fonds sur une période définie. Dans ce cas, les actifs de ces utilisateurs ne pourront pas être cédés pendant cette période, et cela même en cas de forte volatilité. Alors, on va parler des termes APR et APY. L'APR est l'abréviation de Annual Percentage Rate, taux annuel en pourcentage. Il s'agit du taux d'intérêt annuel indiquant le montant des intérêts perçus pour un montant investi après un an. L'APY ou Annual Percentage Yield, c'est-à-dire le rendement annuel en pourcentage, est également appelé taux d'intérêt absolu, indique le taux d'intérêt intégrant les intérêts composés. Pour rejoindre un pool de staking, il est généralement nécessaire d'avoir un solde minimum de crypto-monnaie. Il y a divers frais impliqués, tels que les frais de service que les opérateurs de pool de staking facturent aux participants pour l'exploitation d'un pool. Il y a aussi des frais de staking pour la délégation de tokens ainsi qu'une marge de pool sur les récompenses de staking avant qu'elles ne soient distribuées à tous les participants. Les opérateurs de pool reçoivent aussi régulièrement une part des frais de transaction et des tokens nouvellement émis.